j'hésite, j'hésite. Tu veux une bière ou un café, une tarte aux fruits ou une salée? Depuis toujours je suis comme ça, je n'ai jamais su faire un choix. Non, non. Ma carte de fidélité, je suis fidèle à deux, trois près. Entre la fraise ou la vanille, entre cette femme ou bien sa fille, entre le gâteau et la cerise, entre l'annonce et la surprise, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Tu veux partir ou bien rester, une paire de bottes ou des souliers? Depuis toujours je suis comme ça, je n'ai jamais su faire un choix. Non, non. Alors, quand j'hésite entre deux, je prends les deux. Je m'éprends des deux, j'ai ma carte de fidélité. Je suis fidèle à deux, trois près. J'ai un cœur d'artichaut et il fait dans le one man show. Si ça te gêne, pas de soucis, je te laisse méditer ceci. Le tic-tac de la vie est court, mais quand le tien marche, le mien court. J'ai un seul soleil, mille rayons, un seul amour de mille façons. Fidèle à deux, trois près. Jean Frenette, mesdames, messieurs. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Geoffrey. Comment ça va? Très bien. Bien reposé? Et très bien? Très, très bien. Alors, j'allais vous tout simplement vous dire que, voilà, Geoffrey, comme vous pouvez le voir et l'écouter, il vient du sud de la France, il a conservé cet accent si pointilleux, on va dire, et si chaleureux à ta région. Du sud de la France, bien oui, sûr. Oui, du sud. Oui, je vais pas dire du sud. Du sud, oui. Du sud. Du sud de la France, ouais. Et tu fais partie de la vague des jeunes compositeurs et interprètes français. Oui, on peut le dire. Oui, oui, oui. Franchement, très belle chanson. D'accord. Ben pour très le coup, bien. C'est pas moi qui l'ai écrite celle-là, tu vois. Ah, c'est pas toi qui l'as écrite. Non. Non. Celle-là, non. Mais j'en ai écrit d'autres. Donc celle-là a été écrite par qui? Par un ami à moi avec qui je travaille depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. C'est simple, je crois que la première chanson qu'il m'avait écrite, c'était sur un premier album, la chanson s'appelait « J'ai 20 ans ». Calcul, j'en ai 29. Ça fait 9 ans qu'il m'écrit des chansons, mais ça fait 29 ans que je le connais. Il s'appelle Luc Talieu. D'accord, on le salue. Qui est de Toulouse, voilà, qui écrit de jolies chansons. Le Toulousain, c'est une passion, hein, la musique. Hein. Tu as une passion immense pour ça. Tu écoutes... généralement du Goldman, du Cabrel, ça t'a donné un petit peu... ça, c'est durant ta jeunesse, c'est-à-dire c'était hier. Ouais, ouais. Bah oui, t'es tout jeune. J'ai toujours une particularité, une attirance particulière pour la musique française. Alors là, tu cites Goldman, Cabrel, il y a plein d'autres qui ont écrit de très jolies chansons et qui forcément, quand on est enfant, ça inspire pour faire de jolies choses, quoi. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est un peu surtout pour nous parler de ton album, mais aussi on
envie un peu de savoir qui est Geoffrey Note. Et ben, le mieux, c'est que c'est toi. Qui tu es exactement ? Présente-toi un petit peu. Qui hein. Je suis ? Ta fille m'a posé la même question tout à l'heure. C'est vrai ? Ouais. Eh oui. Qui tu es ? Je fais pareil qu'elle. Qui tu es, Geoffrey Note ? Qui se cache derrière un... Non, moi, je suis quelqu'un qui écrit de la musique, qui écrit des chansons, qui essaye de faire de jolies choses. La musique, c'est ma passion. C'est aussi un métier. Il faut s'y tenir. Il faut faire en sorte que les choses se passent bien. Qui je suis aussi quelqu'un qui essaye de faire partager ce genre de choses, de faire partager mes chansons. Je préfère qu'on aime mes chansons plutôt qu'on m'aime à moi. Voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui veut devenir star et quelqu'un qui veut faire de la musique. Ça, c'est une belle, un beau dicton, ça, tout ça, ce que tu nous dis. La musique est pour lui, voilà, comme tu disais, un véritable rêve d'enfant. Et cela se ressent effectivement sur les chansons, sur ta façon d'interpréter ton jeu de scène est un peu simple, mais grand à la fois, je trouve, moi. D'accord, c'est un compliment, merci beaucoup. Oui. c'est au fil des années, au fur et à mesure, avec le temps, avec des conseils, avec du recul, des remises en question par moment. C'est avec tout ça qu'on arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, ça m'a demandé du temps, beaucoup de travail. Et ben après, je suis content. Oui, c'est un rêve d'enfant. Oui, c'est un rêve d'enfant. Qui ne rêverait pas faire le métier que je fais enfin... Oui, en plus, maintenant, c'est un métier à part entière, on va dire. Oui, bien sûr. Tu en vis assez régulièrement. Tu es parti tous les week-ends. Ça veut dire quoi c'est... Non, mais tu es pas... c'est jamais assez, de toute façon, on le sait bien. Mais... Non, mais... Je pense que c'est même pas ça. Je suis quelqu'un, j'ai 29 ans, j'ai toujours aimé faire ce que j'avais envie de faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui restera de toute manière. Et j'ai décidé de faire de la musique, donc c'est ce que je fais. Après, peu importe le reste, c'est secondaire. Mais j'aime faire de la musique, j'aime m'éclater sur scène, j'aime voir les gens sourire, taper dans les mains, tout ça, c'est mon truc, quoi. Geoffrey Note, ce n'est pas que un chanteur, c'est aussi un musicien. Pour se garder. Oui. Non, en fait, je suis surtout auteur-compositeur. Après, musicien, pour moi, ça demande quand même... Enfin, moi, je suis accompagné par des musiciens qui ont énormément de talent. Je vois la différence qu'il y a entre leur niveau et le mien. Et moi, je ne me considère pas du tout comme un musicien, surtout comme quelqu'un qui s'accompagne à la guitare, qui fait la guitare, qui écrit, qui compose. Après, musicien, c'est... Tu joues de la guitare quand même. Oui, je joue de la guitare. Par exemple, entre toi et moi, ça va tout de suite s'entendre. Hein. Si tu ne sais pas jouer, c'est sûr. Voilà, c'est tout à fait ça. J'aimerais bien, avant de parler justement de ton album hein, qui vient de sortir, justement, j'aimerais que tu nous interprètes une deuxième chanson. Oui. Que je te laisse le soin de nous présenter. Et si jamais c'est une chanson que j'ai écrite, pour l'album. J'ai envie de faire quelque chose de différent, de sympa, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai l'habitude d'écrire. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour, mais aussi de séparation. Ça parle de quelqu'un qui vit avec son compagnon ou sa compagne, et puis qui passe son temps à vivre avec dans la tête. Enfin, qui passe son temps à vivre avec un autre, avec une autre dans sa tête, quoi. Voilà, donc c'est « Et si jamais », le fameux « Avec un si, on referait le monde », c'est un petit peu ça. « Et si jamais », Geoffrey Note, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et si jamais je ne pensais plus à toi. Je ne pensais qu'à ça, qu'à des sourires perdus, des gestes inconnus. Et si jamais je ne pensais plus à nous, qu'à son regard de fou, qu'une parenthèse dans cette folie, nouveau départ pour nous. Et si jamais, et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si
Et si jamais je ne pensais plus qu'à moi, que je ne vive que pour ça, j'en oublie même d'où je viens, qu'il me tarde le lendemain. Et si jamais, et si jamais je ne pensais plus qu'à elle, je ne pensais plus à terre, ce seul refrain qui nous rend libres, de ce nous deux pourtant fragiles. Et si jamais, et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, crois-tu que l'amour change? Est-ce que vraiment ça dérange? Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si jamais l'histoire de toi et moi, crois-tu que l'amour change? Est-ce que vraiment ça dérange? Et si jamais, si jamais, hey, et si jamais, si jamais, oh, et si jamais. Dans ton nouvel album, c'est à bientôt. Alors, par contre, c'est à bientôt avec un arrobas. Il y avait quelqu'un pour venir déboucher la... Ah, voilà. Vas-y, vas-y. Oui, c'est avec un arrobas. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Vas-y, bois un goût. Hein. Attends. Non, à bientôt avec un arrobas parce que... Maintenant, on vit dans un système, dans un monde... Connecté. Connecté, voilà. C'est ça. En fait, « À bientôt », c'est une chanson de l'album qui s'appelle « À bientôt », qui fait référence un petit peu à tous les gens qui me suivent sur scène depuis de nombreuses années, ce qui se fait sur mes spectacles, voilà, les gens qui viennent sur visionner mes clips, tout ça. Je trouve que c'est important de les remercier parce qu'ils font aussi partie de l'aventure, quoi. Ils font aussi partie de l'histoire, aussi partie de l'aventure. Donc du coup, c'est important pour c'est important pour moi de faire une chanson qui s'appelle « À bientôt ». Donc voilà, « À bientôt », c'est le « arrobas », c'est le « au revoir » connecté, quoi. Voilà. D'accord. Trois clips, hein, à la base. Trois clips sur, ouais, ce nouvel album, ouais. Ouais, trois clips, « Trace ». Oui. À deux, trois près. À deux, trois près qu'on a entendu tout à l'heure. Et « À bientôt », bien sûr. Et à bientôt, voilà. Trace, c'est une chanson que j'ai faite avec... j'ai écrit une chanson qui suit, si tu veux, un petit peu l'album précédent. Oui. Pour faire bref, le deuxième album, je l'ai écrite autour d'une chanson qui s'appelle Mona Lisa, qui fait référence à ma fille. J'ai une petite fille qui a 7 ans, qui s'appelle Lisa. Et quand elle est née, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle donc Mona Lisa. Et petit à petit, donc au fil des années, elle a grandi et maintenant c'est une petite fille qui monte sur scène et qui chante avec moi. Ah bien. Qui chante avec moi sur scène, qui a enregistré sur l'album justement cette chanson de Trace. Voilà, qui fait la... Je te laisserai écouter la chanson, tu verras, tu pourras voir que c'est une continuité de, c'est une évolution de morceaux, quoi. Voilà. Donc si vous voulez vous-même écouter l'album, vous pouvez tout simplement l'acheter sur les plateformes, je suppose. Bah, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, tout ça, iTunes. Qui sont tes musiciens? Je suis accompagné de musiciens qui... C'est des musiciens de vers chez moi, de Toulouse, qui sont de très très bons musiciens. Le chef, le chef pour l'orchestration, c'est quelqu'un qui s'appelle... Enfin, beaucoup de gens le connaissent déjà. Il s'appelle Gilles Arsens, c'est le chef d'orchestre de Patrick Sébastien, entre autres. Oui. Qui travaille sur les années bonheur, enfin, il fait les émissions des années bonheur, les arrangements pour des artistes, et c'est aussi le chef d'orchestre du grand orchestre Coll, que tout le monde connaît aussi. Et j'ai la chance d'avoir des musiciens qui m'accompagnent et qui lui font confiance à lui, et qui donc me font confiance à moi. D'accord, donc des orchestres, des musiciens qui
qui englobe un petit peu ta vie de musicien, chanteur, musicien avec. J'ai un guitariste, le guitariste qui m'accompagne aussi, qui joue sur l'album. C'est le guitariste, bon, pour une petite anecdote, c'est le guitariste qui accompagne Star 80 depuis quelques années déjà. Donc on le voit de temps en temps à la télé faire des scènes. Erwan Anadon. Voilà, Erwan Anadon. Ouais. Voilà, tout à fait. Le guitariste de Star 80. Et de Geoffrey Note, pour le coup. Et de Geoffrey Note, pour tous les coups. Une question toute bête. Où c'est qu'on va pouvoir te voir prochainement? La prochaine fois qu'on va me voir, ça sera... en ce moment, je suis surtout sur la promo de l'album. Je suis sur des showcases un petit peu partout dans le sud de la France. D'accord. Je m'arrête à Limoges, tu vois. Ouais. Tu vas pas plus haut? J'aimerais bien. Non, je vais là où j'ai la possibilité d'aller pour faire de la promo. Showcase, surtout des showcases, parce que j'aime bien le challenge, aller découvrir des... aller chercher les gens qui connaissent pas du tout mon univers et aller les chercher à travers mes chansons. Je trouve que c'est un challenge mieux que tout ce qui était les réalités, tout ça. Tout à fait. Donc, t'as décidé de rester dans le sud de la France, donc t'as dit on va aller à Limoges. Je suis casanier, c'est ça. Limoges dans le sud, et ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais. ça sent à l'accent d'ailleurs, enfin, ton accent, quoi. C'est du sud. Non, c'était ironique, bien sûr. J'ai bien compris. Un titre, tu as fait un titre, alors ça, par contre, c'est vrai qu'on ne le sait pas trop, mais tu as fait un titre pour les Bleus, pour le foot, dis-moi, les Bleus, oui, l'équipe de foot. Alors, pour la Coupe d'Europe 2006, en fait, pour te dire en détail comment ça s'est passé, en 2000, enfin, je suis un passionné de sport. De foot, en l'occurrence. Et en 2016, je jouais dans un club de foot. Et l'équipe dans laquelle je jouais m'a dit, voilà, il y a la Fédération française de football qui lance une candidature pour représenter les Bleus, pour l'équipe représenter l'équipe de France pour la Coupe d'Europe. On m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse, tout ça? Moi, pour écrire de la musique, réécrire des chansons, je suis toujours partant. Donc, j'ai relevé le challenge et c'est une chanson qui a été sélectionnée par la Fédération française de football pour représenter les Bleus en 2016. Voilà, donc il y a eu pas mal de médias qui ont relayé l'info. Qui ont relayé. Ouais. Voilà, surtout qu'il y avait la polémique en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016, il y avait l'hymne de l'Euro. En France, c'était une chanson anglaise. La reprise de Kiss, I Was Made for Loving You. Voilà, ça avait été repris par un groupe, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs. Et du coup, il y avait la polémique de chanter en anglais et chanter en français. Donc, ils comparaient un petit peu avec une chanson qui était écrite en français. Voilà, donc ça avait été relayé un petit peu partout, cette information. C'était bien plaisant, c'était sympa, je me suis régalé. J'ai passé un bon moment. Eh ben, je crois que ça s'applaudit aussi, hein, parce que... Ça s'applaudit déjà. Il a rechargé un petit peu les batteries avant de nous interpréter son dernier titre. Mais je suis en forme. Il va prendre un petit coup d'eau. Et tu vas nous présenter ton troisième titre, qui est... C'est Les Prénoms. Les Prénoms. C'est une chanson qui fait référence à tous les titres de chansons féminins. Par exemple, Gabriel pour Johnny, il a écrit... Caroline MC Solar. Caroline MC Solar. Voilà, donc c'est tout, que des flashs. Et ce qui est rigolo, c'est que sur scène, souvent, quand je la chante, les gens essayent de se dire, mais par exemple, je sais pas moi, Marie, on l'a entendu où? Voilà, de suite, on essaye de trouver un rapport entre ma chanson... Et une chanson qui a été écrite avec ce prénom. Et moi, je vous propose de tout simplement la découvrir tout de suite. Sous vos applaudissements, Geoffrey Note, Les Prénoms. Daisy, Débiléa, Belinda et Laura, Aziza, Aïcha, Marinette et Sarah, Lisa, Elisa, Diane, Baby Doll ou Roxane, Stéphanie, Fanny, Jeanne, Agathe, Eve et Morgane. Dieu, prénom de nom, Dieu que j'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mathilde est revenue, et Mélissa Vigne, ses
c'était bien chez Juliette, c'était mieux chez Laurette. Marie-Lou dit goodbye, ou repose sous la neige. Hélène qu'on lit en braille a fait fondre Nadège. Des Marie à l'appel et des Michel si belles. Et Andy, dis-moi si pour Manon tu dis oui. Dieu, prénom de nom. Dieu que j'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mais le tien mon amour, non ne t'inquiète pas. Mais le tien mon amour, je le chante pour moi. J'ai osé Joséphine, j'ai crié des Aline, j'ai aimé Amélie et Félicie aussi. J'ai suivi Nathalie et Pelé Lolita. J'ai quitté Miss Maggie pour Margot et son chat. Des Lucie à l'appel, des Gabi, Gabriel. Et Andy, dis-moi si pour Manon tu dis oui. Les as de Caroline, les beaux yeux de Céline, regarde Cécile, sa fille, s'endort avec Camille. Je freine sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Et franchement, celle-là, moi... T'aimes bien ? Ah ouais, mais je la kiffe. Franchement, celle-là, je la kiffe bien. D'accord. Il y en a d'autres, hein, de l'album qui sont bien, mais celle-là elle est... franchement, j'aime bien. Le coup des prénoms... Ben, c'est pas une idée à moi. C'est pas moi qui l'ai faite, celle-là, non plus. C'est pareil, c'est Luc. Il en a écrit 3 sur l'album, et je voulais faire les 3. Non. Non, c'est vrai, ça, c'est lui qui l'a écrite. C'est une chanson qui... Ben, c'est lui qui a eu l'idée, il a trouvé ça sympa. Il m'a proposé ce texte et j'ai trouvé ça, comme tu dis, original et intéressant. Ah, c'est super intéressant, par les prénoms et tout. Alors, ouais, il y en a beaucoup de chansons finalement, là, les prénoms. Les prénoms, mais bientôt tu vas nous faire, je sais pas, avec les fleuves, ça serait pas mal. Avec les fleuves, ouais. Vienne. Ben, il y en a, non, mais je rigole, moi, c'est une boutade. Là, ouais. J'ai bien compris. Je n'étais pas obligé de le préciser, mais j'avais bien compris. Hein. En tout cas, si vous voulez retrouver Geoffrey Note, il est en booking chez Musica Prod. Voilà, je tenais à le préciser aussi. Oui, absolument. Je tenais à le préciser. Depuis peu et avec grand plaisir. Depuis peu, oui, en booking chez Musica Prod, ainsi que Emarim aussi. Pareil que Emarim, les petites questions qui vont bien. Donc, bon, depuis quand tu chantes, on le sait, ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter ? Je suppose que Cabrel, Goldman, c'est personnel. Ben ouais, c'est tous ces gens-là, je pense que... Quand on est gosse et qu'on voit des concerts de Goldman ou qu'on voit des concerts de Cabrel, tout ça, on a toujours envie de faire pareil, quoi. Enfin, même si c'est pas des concerts grandioses, c'est toujours des concerts pleins et il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses qui passent. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes chansons, quoi. De quelle manière as-tu débuté ? Ben, ça, tu nous l'as un petit peu expliqué. Avec une guitare et un micro. Voilà. C'est très simple. Et en plus, c'est la pleine d'humour, on sait en profiter. Ouais. Ton meilleur souvenir de scène, comme Emarim, ton meilleur souvenir, c'est quoi ? C'est ce soir. Ah, c'est génial, merci. On peut l'applaudir. Ah, c'est mignon. Et ton pire souvenir, c'est ce soir. Non, des meilleurs souvenirs, je pense que chaque fois qu'on est sur scène, c'est un bon souvenir.
On a toujours des bons souvenirs parce qu'on passe toujours de très bons moments. Autant les gens qui sont sur scène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent sur scène, autant les gens qui sont assis dans le public, j'essaie de leur donner un maximum de plaisir. Après, pour marquer le truc, c'est vrai que cet été, j'ai fait le festival de Carcassonne, en première partie de Axel Bauer. Et mon plus grand plaisir, ça a été celui-là, parce que, non pas parce que je faisais la première partie d'Axel Bauer, mais parce que c'est la première fois que je chantais la chanson Trace avec ma fille, sur scène, devant beaucoup une place pleine, avec des musiciens derrière. Elle est montée sur scène, elle a fait le show, elle a tracé, elle a fait son truc. Comme papa. Mieux que moi, mieux que papa. Parce que moi, à son âge, je faisais pas ça. Et elle avait 6 ans, et elle a fait ça vraiment comme si elle avait toujours fait ça, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est s'il y avait un meilleur souvenir, ça serait celui-là. Le meilleur souvenir, c'est celui-là. Bon, le pire, bon, il y en a pas. Si, on a toujours des casseroles un peu quand on fait ce métier. Eh bien, justement, regardez. Non, je rigole. On les a retrouvés. Justement, j'ai eu des mauvais souvenirs où j'ai raté des concerts à cause du fait que ça tournait pas bien, parce que c'était pas en place. Parce que voilà. Ouais, tout à fait. Et même parce qu'on était angoissés de savoir que ça tournait pas bien, quoi. Voilà, donc ça, c'est des mauvais souvenirs. Voilà. Sur cet album, à bientôt, tu as une, voire plusieurs chansons, du moins ta chanson préférée. Elle est compliquée, cette question. Parce que franchement, elles sont toutes bien. Ouais, elles sont toutes différentes en fait. Chaque chanson est différente et elles correspondent à tous mes styles parce que j'écoute de tout. J'écoute de la pop, du rock, du jazz, de l'électro, du rap, de la variété, du classique, des chants grégoriens. Enfin, vraiment, hein, des trucs qui n'ont rien à voir. Et ça se ressent un petit peu sur l'album parce qu'il y a un petit peu de tout, c'est assez éclectique. Si j'avais une chanson à mettre en avant, ça serait plutôt Trace, parce que je vous dis le côté émotionnel avec ma fille. D'accord. Après, il y a un hommage aux années 80 avec le compositeur de l'album qui s'appelle Kevin Allison, avec qui j'ai fait un duo sur cet album et avec qui je travaille aussi sur scène, qui est un fabuleux chanteur, fabuleux musicien, enfin voilà. Ça c'est fait partie de mes titres préférés. Et après, il y a Profitons de la vie, par exemple, qui elle est dynamique, qui a été écrit aussi par un ami qui s'appelle Lionel Tournier. Et elle est dynamique et elle représente un petit peu ce que je pense, quoi. Je pense qu'il faut profiter de la vie, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et faire en sorte qu'on puisse profiter au mieux de ce qu'on nous a donné, quoi, c'est-à-dire la vie. D'accord. Un mot pour tes fans. Donc, ici. Là. Tu crois que j'ai des fans? Mais oui, t'as des fans. T'as... Non, regarde, là, ici, il y a des fans. Non, les gens qui me suivent, en fait, j'ai pas besoin de trop leur parler parce que je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Mais si j'avais un mot, ça serait de leur dire merci, de leur dire. Que c'est aussi grâce à eux que je suis là, que j'écris des chansons, que je fais des musiques. Grâce à tout ça, grâce au soutien du public régulier qui vient, qui encourage. Voilà, tout ça, ça fait que c'est des choses que je dis régulièrement aussi sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, je n'ai pas de barrière avec les gens qui me soutiennent. Je crois qu'on est dans le même bateau et qu'on est embarqué dans la même barque et qu'on trace et qu'on avance ensemble, quoi. L'album, on va le montrer. Voilà, Geoffrey Note, à bientôt. Et à bientôt. Avec tous ces clips. Merci Geoffrey.